Jésus-Christ est mort. Il est mort à la croix du calvaire. Il a été enterré. Il est ressuscité des morts. Au troisième jour. Au troisième jour. Au troisième jour. Acclamation. Jésus-Christ. Merci. Thank you. Jésus-Christ. Jesus Christ. S'il y a un petit démon jaloux, il est parti. Even a small jealous demon, Jésus. He is gone. Ici, c'est Jésus. Here it is Jesus. En esprit et en vérité. Je proclame que j'appartiens à Jésus. Say, I proclaim, I belong to Jesus. 100% à Jésus. 100% to Jesus. De ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. From my head to my toes. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. I belong to Jesus, I belong to Jesus. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec la série de messages sur les combats de la foi. Donc nous allons parler des combats pour protéger la vision. We are going to speak about the battle to protect the vision. Il y a la vision. There is the vision globale de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. There is a worldwide vision of the work of Jesus Christ. Et il y a la vision. And that the vision spécifique à certains ministres. The special vision which is linked to some ministers. C'est-à-dire l'apôtre Paul a une vision que Jésus lui a donnée. It means Apostle Paul has a vision that Jesus gave him. Et il y a même la vision globale du ministère du Seigneur Jésus-Christ. And there is the entire vision of the work of the Lord Jesus Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans le monde? What has Jesus come in the world to do? Qu'est-ce qu'il cherche? What is he looking for? Quand il proclame la bonne nouvelle. When he proclaimed the good news. Quand il guérit les malades. When he heals the sick. Quand il libère les captifs. When he set the captives free. Qu'est-ce qu'il fait? What is he doing? Il est en train d'accomplir le plan de rédemption de son père. He is completing the plans of redemption of his father. Il vient accomplir le travail de Dieu pour le salut he de l'humanité. And complete the work of God for the salvation of mankind. Et dans cette vision globale. And in this great vision, Dieu appelle les hommes à lui. God calls people to him. Il les envoie. He sends them. Pour aller exécuter. To go and do it. Et chacun a sa portion. And each one has his part. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Write this. La vision est ce que Dieu montre à quelqu'un. Vision is what God shows to someone. De manière surnaturelle. In a supernatural way. À son esprit. To his spirit. Jésus lui montre ça dans son esprit. Jesus shows it to him in his spirit. Il lui montre ça, il montre à ses yeux, il peut voir la vision. He can see the vision. Il peut la recevoir dans son esprit. He can receive it in his spirit, in his mind. Il peut la voir. He can see it. Avec les yeux naturels. With natural eyes. Il y a une autre forme de vision, c'est ce que tu vois dans tes rêves. There is another kind of vision, is the one you see in your dreams. Quand tu rêves. When you dream. Et que tu perçois un objet. And you can see something. Ou tu entends des paroles qui or you hear some voices. Qui te commandent de poser certains actes. Commanding you to do some things. De telle sorte qu'à ton réveil, tu es possédé d'une image. In a way that qui habite ton esprit. When you wake up, you are possessed by images which are in your mind.
Tu es possédé par une vision, une connaissance intuitive de quelque chose que tu dois accomplir. You are possessed by a vision and an intuition, knowledge of something that you must do. D'une compréhension révélationnelle d'un phénomène. You have a revelational understanding of a phenomenon. On dit, il a une vision. It is said you have a vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand c'est perceptible à l'œil. If you can see it in your eyes. On a le cas de Moïse. Quelqu'un peut nous lire Exodus 3, Exode 3 verset 1 à 6. Verse 1 to 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up? When the Lord saw that he had gone over the look, he has gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Amen. Vous notez ceci. Write this down. La vision peut se présenter uniquement dans l'esprit. Vision can be shown only in the spirit. La vision peut se présenter uniquement dans l'esprit. Vision can be shown only in the spirit. La perception se fait alors dans l'imagination uniquement. So the sight, the fact of getting it, can be done only in your imagination. Ça dit tu ne dors pas. It means you are not sleeping. Et tu as une image dans ton esprit. But you have an image in your spirit. Une image dynamique, pas une image figée. A dynamic image. Des images compréhensibles dans ton it imagination. Means images you can understand in your imagination. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'imagination de l'homme est dynamique. So human being imagination is dynamic. Même si tu n'es pas encore allé à Korogo, dès qu'on dit qu'il y a une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Korogo, tu auras cette ville dans ton imagination, même si ce n'est pas la réalité, même even, si ça ne ressemble pas à la réalité. Even if you have never traveled to Korogo, when you are told about Korogo, you will have an image of this town. Even if your image is far from the reality. Donc, le Saint-Esprit peut utiliser cette faculté de l'esprit de l'homme pour introduire une image dedans, appelée vision.
So the Holy Spirit can use this ability of human being spirit to introduce, to put something, an image inside. Elle habite dans la pensée. So it dwells dans la pensée de l'homme. In the thought of man. Et l'homme la contemple dans son intérieur. And man see it from his inner being. Et cette contemplation se fait par des yeux illuminés. Il faut des gens qui ont des yeux illuminés pour and voir this side, ce qui est dans l'esprit. This side is only able for people who are enlightened. Pour cette raison que la vision s'apparente à la révélation. This is why vision is like revelation. La vision peut être communiquée dans un état d'extase, comme si tu dormais mais tu ne dors pas. Vision can be communicated in a state of ecstasy. It's like rêves. You are sleeping but you are not sleeping. Ou dans des rêves ou dans des songes. Or in the dreams. C'est ce qu'il faut comprendre. This is what should be understood. Quand Paul dit à Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. When God says, told Agrippa, I did not resist the heavenly vision. Quelqu'un lise pour nous Acts 26, verset 19 à 20. Acts of Apostles, chapter 26, verse 19 to 20. En conséquence, au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First, to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles. I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Amen. Vous notez que la vision, right, that the vision est une révélation de ce que le Seigneur veut que son peuple accomplisse pour lui. Is a revelation of what the Lord wants his people to accomplish for him. Ça doit être pour lui. It must be for him. Sinon, c'est ta vision. Otherwise, it's your own vision. Dieu donna à Moïse la vision du tabernacle. God gives to Moses the vision of a tabernacle. Avec injonction de bien regarder et de tout faire selon le modèle révélé. With a commandment to see very well, to look very well, and to do everything as revealed. Dieu lui disait, regarde le modèle du tabernacle qui t'est montré à la montagne. God used to tell me, look at the model that was shown to you on the mountain. Tu feras tout selon ce modèle. You will do everything after this model. Exode 25, verset 9. Exodus 25, verse 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Exode 25, verset 40. Exodus 25, verse 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. See that. Exode 27, verset 8. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Amen. En fait, l'œuvre commence actually, par la communication de la vision. The work starts by the communication of a vision. Et Dieu veut que le serviteur qui reçoit la vision la maîtrise. And God wants the servant who receives the vision to master it. Il doit bien regarder. He must see very well. Pour que ça se fixe en lui. So that it fixes it himself. Parce que la vision peut être enseignée. Because a vision can be taught. Elle peut être communiquée. It can be communicated. La personne qui la reçoit a la responsabilité de la communiquer. The person who receives it has the responsibility to communicate it. Dieu ne passe pas le temps à donner la vision à tous les êtres humains.
God does not spend his time to give a vision to all the human beings. Il donne la vision. He gives the vision. Il dit que ce que Dieu révèle appartient à l'homme. It is said that what God reveals belongs to man. Pour qu'il enseigne ça à ses enfants et aux enfants de ses enfants. So that he teach it to his sons, to his children, and to the children of his children. Pour ce qui nous concerne, par exemple. Regarding us, for instance. Le frère Zacharie stand et fou mon pauvre. J'ai dit tout le nom, comme il y a les nouveaux dans la salle. Brother Zacharia Stanley from him. I'm telling the full name as there are new people here. Si tu es nouveau, quand tu entendras frère Zach, ça veut dire que le fondateur de notre œuvre. If le you père are new, fondateur de notre œuvre. When you hear Brother Zach, we mean the founding father of our work. Il était professeur des universités. He was teacher of university. Son nom entier c'est Zacharia Stanley from him. His full name is Zacharia Stanley from him. Donc, quand Dieu communique la vision à un tel homme, so when God communicated the vision to such a man, sa responsabilité c'est de l'enseigner à ses enfants spirituels. His responsibility is to teach it to his spiritual children. Ceux qui vont maîtriser sa communication, those who will master his communication, seront ceux qui vont réussir à faire comme lui. Will be the ones who will succeed in doing like him. Ce sont ceux-là qui vont réussir même dans la vision que Dieu lui a communiquée. These are those who will succeed even in the vision that God gave him. Donc tout commence par la capacité de bien observer pour bien filmer, pour bien enregistrer dans son esprit. So everything starts by the ability of looking very well to get it very well in your mind. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce soir, par exemple. Tonight, for instance. Si ton esprit est libre. If your spirit, your mind is free. Tu peux percevoir ce qu'on veut te montrer. You can see what we are showing you. Tu peux comprendre divinement ce que nous sommes en train de dire. You can divinely understand what we are saying. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Première chose, avant même de parler de combattre pour protéger, il y a le combat même pour percevoir, pour bien regarder. Before speaking about fighting to protect, we need to fight first to see very well and to understand. Parce que beaucoup de choses peuvent te distraire. Because you can be distracted by many things. Les fardeaux de la vie. The burdens of life. Les soucis. The sorrows, tes peurs, tes craintes, your fears, peuvent t'empêcher de bien regarder. Can prevent you from seeing, from looking very well. Et si tu n'as pas bien regardé, if you have not seen it very well, tu ne peux rien garder. Tu ne peux you rien. You cannot keep it. Lis encore. Read again. Exode 25. Exodus 25. Tu lis le verset 8 et 9. Verses 8 and 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Qu'est-ce que le tabernacle? What is the tabernacle? Avant d'entrer dans notre cas. Before going to our case. Notons ceci. Let's write this. Le tabernacle était un temple provisoire. The tabernacle was a temporary temple. Et on le portait quand Israël se déplaçait dans le désert. And it was carried on when Israel were moving in the desert. C'est dans ce temple portatif que Dieu rencontrait les enfants d'Israël. It was in this carried temple that God used to meet the children of Israel. D'où le nom de tente d'assignation qu'on lui a donné. This is why it was called the place of meeting. Tente d'assignation. The place of meeting. Quelqu'un lise Exode 33, verset 7 à 10. Let someone read Exodus 33, verset 7 to 10. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse
jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait. Prenons Exode. Let's read Exodus. 6, verset 9. Verse 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Il faut payer le prix. You must pay the cost. Pour vivre dans une concentration continuelle devant Dieu. To live continually in concentration before God. Tu ne sais pas le jour où il va te visiter. You don't know the day he will visit you. Quand Dieu dit à Moïse plusieurs fois, regarde, regarde, regarde. When God tells Moses many times, look, look, look. Regarde le modèle qui t'est montré. Look at the pattern I showed you. Et construis le tabernacle selon ce modèle-là. And build the tabernacle according to this pattern. Parce que le tabernacle avait un but. Because the tabernacle had a goal. C'était le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. It was the place of meeting of God with his people. Si on enlevait le tabernacle, if they removed the tabernacle, la colère de Dieu, le peuple d'Israël allait être exterminé par les jugements de Dieu. And the people of Israel would be destroyed by God's judgments. Parce qu'il y avait un ensemble de rituels qui se pratiquaient dans le tabernacle, autour du tabernacle. They had a group of things that was done in the tabernacle. Un culte, une adoration. There were a worship. Des sacrifices. Some sacrifices. Qu'il fallait offrir. Which were to be done. Pour que la colère de Dieu ne s'enflamme pas. For God's anger to not inflame. Donc Dieu savait. So God knew. Que le succès de son entreprise parmi les enfants d'Israël dépendait de la qualité du tabernacle. So God knew that the success of his work among the children of Israel depends on the quality of the tabernacle. Et la qualité du tabernacle dépendait de la capacité de Moïse de reproduire exactement ce que Dieu lui avait dit. And the quality of the tabernacle was linked to the ability of Moses to reproduce exactly what God showed him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Voyons le cas de Paul. Let's see the case of Paul. Parce qu'en matière de vision, because regarding the vision, chacun pense qu'il est dans la vision, chacun dit qu'il est dans la vision, chacun. Everyone. Qui peut dire que lui n'est pas dans la vision là où vous êtes? That is the vision. Who can say here that he is not in the vision? Si tu n'es pas dans la vision, lève la main. If you are not in the vision, put up your hand. Personne ne peut avouer qu'il n'est pas dans la vision. No one cannot say he is not in the vision. Écoutez. Listen. La vision, je veux juste parler comme des hommes. Hein. Vision, let me speak like human being. La vision est comme la politique. La vision est comme la politique. Vision is like politics. On peut te mettre en prison, on dit c'est un prisonnier politique. Ça dit que tu n'as rien fait, on te met en prison. La raison c'est quoi? C'est la politique. You can be sent to jail as for nothing. You did nothing and you are put in prison. And they say, why? It's politics. Only for that. On peut te lapider et il suffit qu'on dise qu'il n'a pas la vision, on te lapide. They can stone you. It's to people to say that you don't have vision and people stone you. Donc il faut être vrai et bon. So you must be true and good and kind. Pour enseigner ce que je suis en train d'enseigner là. To teach what I am teaching you. Je peux dire là que selon la vision, sortez. I can just say, according to the vision, go out. Et vous allez sortir. And you will go. Il dit non, il était rempli du Saint-Esprit. Il dit que à cause de la vision, on doit sortir. Tout le monde est sorti. Vraiment, Dieu était là. They will say he was filled with the Holy Spirit and he told them to go out. So God was there and everyone went out. Je peux dire selon ta vision, vends ta maison, donne-moi l'argent.
I can tell you, according to the vision, go home and bring me money. J'ai dit un jour, I said one pour day, prêcher l'évangile, to preach the gospel, il faut aimer les hommes. You must love human beings. Si tu n'aimes pas les hommes, if you don't love human beings, ne prêche pas l'évangile. Don't preach the gospel. Tu vas les tromper. You will deceive them. Tu vas leur faire du mal. You will do wrong to them. Au nom de la vision. In the name of the vision. Quelqu'un a écrit un livre au nom de Dieu. Someone wrote a book in the name of God. Qu'est-ce qu'on ne peut pas te faire au nom de Dieu? What can't people do you in the name of God? Tout. Everything. Donc, lève ta main. So put up your hands. Dis Seigneur. Say Lord. Accorde-moi la grâce d'être bon. Give me the grace of being kind. Prions ensemble. Let's pray together. Amen. Amen. Viens lire pour nous. Come and read for us. Actes des apôtres. Acts of Apostles. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 16 à 18. Acts 26, verse 16 to 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles tu t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Listen. Dieu appelle l'apôtre Paul. God calls Apostle Paul. Le frère vient de lire le passage. The brother Jesus read the excerpt. Dans cet appel, in this call, il y a la révélation de la vision pour lui. There is a revelation of a vision for him. Dans son appel, in his call, il y a la révélation de sa vision. There is a revelation of his vision. Il y a la révélation de la vision de Dieu pour lui. There is a revelation of God's vision for him. Et voici ce qui ressort de cet appel. This is what he received from this call. Il dit, lève-toi. He said, get up. Tiens-toi sur tes pieds. And stand on your feet. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. To open the eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. 1. 1. Il est établi ministre. He is set as a servant. C'est des choses que Dieu vient de lui révéler. Or things God revealed him. Il est établi témoin des choses qu'il vient de voir. He is appointed as witness of things he has seen. Il est établi comme témoin des choses pour lesquelles le Seigneur va lui apparaître. He is set as a witness of things for which God will appear to him. 4. 4. Il est choisi du milieu des Juifs et du milieu des païens. He is chosen from the Jewish and between the Gentiles. 5. 5. Il est envoyé vers les païens. He is sent to Gentiles. 6. 6. Il est envoyé pour ouvrir les yeux des pécheurs. He is sent to open the eyes of sinners.
Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. For them to go from darkness to light. De la puissance de Satan à Dieu. From the power of Satan to God. 7. 7. Il doit amener les pécheurs à recevoir par la foi au nom de Jésus le pardon des péchés. He must lead sinners to receive by faith in the name of Jesus the forgiveness of their sins. 8. Il doit amener les pécheurs à recevoir par la foi l'héritage avec les sanctifiés. He must lead the Gentiles to receive through faith the inheritance with those who are sanctified. Et il conclut en disant, and he concludes by saying, en conséquence, roi Agrippa, so, King Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. I was not disobedient to the heavenly vision. À celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. First, to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles, I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Donc, so, qu'est-ce qu'on remarque? What can we see? Paul décrit comment Jésus s'est révélé à lui. Paul describes how Jesus revealed himself to ce, him. Ce que Jésus lui avait dit le jour où il était tombé, quand what? Il avait été frappé par la lumière. He described what happened to him the day he fell down when Jesus met him. Et il appelle ça la vision céleste. And he called it the heavenly vision. Cette vision faisait de lui un apôtre, un ministre de Dieu appelé à proclamer l'évangile aux Juifs et aux païens. This vision made him a servant of God called to proclaim the gospel to Jewish and to Gentiles. Cette vision lui révélait qu'il venait de recevoir la capacité d'ouvrir les yeux des ignorants. This vision revealed him that he got the ability to open the eyes of ignorant people. Cette vision lui révélait que le pardon des péchés s'obtient par la foi en Jésus-Christ. This vision revealed to him that the forgiveness of sins is received by faith in the Lord Jesus Christ. Cette vision lui montrait que l'inimitié entre les Juifs et les païens là est finie. Tout le monde doit être enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. And this vision showed him that unfriendliness between God and pagan was over because everyone could be saved by faith in Jesus. Donc cette histoire que les Juifs et les païens ne peuvent pas marcher ensemble était finie. So this story of Jewish and Gentiles or pagan cannot walk together was over. Et il a bien compris la vision. And he got it very well. Il savait que maintenant, he knew that pour être then, sauvé, to be saved, on n'avait plus besoin de Moïse. They don't need Moses anymore. On donnait la vie à Jésus. It was just to give your life to Jesus. On se repentait, et on portait les fruits de people la repentance. People repenting and bear fruit of repentance. Il avait compris ça. He got it. En fait, quand Dieu t'envoie prendre les gens dans l'obscurité, les amener dans la lumière. When God sends you to take people from darkness and send them to light, ça veut dire que les gens changent. It means that people change. Ils cessent d'être les enfants des ténèbres. They stop being children of darkness. Pour devenir des enfants de lumière. To become children of light. De telle sorte que si demain tes enfants demeurent dans les ténèbres, in a way that if tomorrow your children remain in darkness, tu n'es plus dans la vision. You are no more into the vision. Et écoutez ça très bien. And listen this carefully. J'ai dit aux frères, I told brothers, et je dis la vérité, and I told you the truth. Si nous ne faisons plus des disciples pour Jésus, if we stop doing disciples for Jesus, nous ne devons pas dire à un membre d'une dénomination, suivez-nous.
We cannot, we have no right to tell a member of another church, follow us. Parce que nous n'avons rien à lui donner. Because we have nothing to give him. Notre vision, our vision, c'est de faire des disciples pour Jésus-Christ. Is to do, to make disciples for Jesus. Pas pour nous. Not for us. Faire des disciples pour Jésus-Christ. Make disciples for Jesus Christ. Et Jésus a donné dans la Bible les conditions pour être ses disciples. And Jesus gave in the Bible the condition to become his disciples. Chaque disciple, each disciple, doit maîtriser les conditions, les 9 conditions pour être disciple, pour être et demeurer disciple. Must master the 9 conditions to be and to remain a disciple. Il doit posséder toutes les doctrines concernant chaque condition. He must have, he must possess all the doctrine regarding each condition. Par exemple, quand on dit amour suprême pour Dieu. For instance, when we say supreme love for God. Ça doit être une doctrine que chacun élabore. It should étudie, be. It must be a doctrine. Organise. That each one pour must pouvoir comprendre et enseigner. Study and organize to be able to understand and to teach it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? De telle sorte que, in a way, si tu te limites à recruter les gens, in a way that if you just, tu n'es pas dans la vision. If you just register people for someone, you are not in the vision. Si tu vois quelqu'un, tu dis faut aimer le pasteur, mais il est vraiment faut l'aimer. Si tu if fais ça, tu n'es pas en train de bâtir un disciple. Please love Pastor Meunier, he is a good man. If you are doing so, you are not making disciples. Amour suprême pour Dieu. Supreme love for God. Tu maîtrises. You master. Amour suprême pour les frères. Supreme love for brothers. De telle sorte que si tu maltraites un enfant de Dieu. So that if you treat a son of God. Même en cachette. Even hidden. When you are hidden, sorry. Tu n'es pas en train de faire la vision. You are not making disciples. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce sont les enfants de Dieu. There are children of God. Il faut maîtriser les conditions d'être ici. You must master the conditions of being disciple. Je vais vous choquer. I will choke you. Si tu médites tous les jours. If you meditate every day. Tu lis la Bible tous les jours. You read the Bible every day. Si tu as la jalousie. If you have jealousy, tu iras à l'enfer. You'll go to hell. Si tu as la haine, if you have hatred, contre un frère, against a brother, même si tu jeûnes tous les jours, even if you fast every day, tu iras à l'enfer. You'll go to hell. C'est ça la vision. This is the vision. C'est ça la vision. This is the vision. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Et tu la prêches à toi-même. And you preach it to you tu first. Tu prêches aux autres. And you preach it to others. Paul dit que c'était avec crainte et tremblement qu'ils apportaient la parole de Dieu. It was with fear and trembling. Aux Thessaloniciens. That they sent the word of God to Thessalonians. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si Dieu règne, il y aura le bonheur parmi nous. If God rules, they will have happiness among us. Quand les gens craignent Dieu, when people fear God, leur amour est vrai. Their love is true. Leur soutien est vrai. Their support is true. Quand les gens n'aiment pas Dieu, when people don't love God, ils développent des stratégies. They look for strategies. Même s'ils te disent bonjour, tu te even demandes c'est un vrai bonjour ou bien c'est comment? Even if they say good morning, you ask yourself, is it a good one or? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Brother, listen carefully what we are speaking about. Nous pouvons oublier la vision. We can forget about the vision. Quand nous prêchons, while we are preaching, conduisons les gens à la vraie repentance. Let lead people to true repentance. N'imitons pas quelqu'un d'autre.
Let us not imitate someone else. Le frère Zach a changé le Cameroun. Brother Zach changed Cameroon. Il prêchait quoi? What did he preach? La vraie repentance. True repentance. On appelle les croyants au Cameroun les born again, ça les nés de nouveau. Believers according to Cameroon born again. C'est une révolution que le professeur Fomum a apporté. It is a revolution that Professor Fomum sent, brought in Cameroon. Son message, tu dois naître de nouveau, tu dois naître de nouveau. Ça remplit la nation. It filled the nation. Nous sommes ses enfants. We are his children. Prêchons ça. Let's preach it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? N'ayez pas peur de conduire les gens à la vraie repentance. Les autres disent que si tu conduis les gens à la vraie repentance, ils vont fuir. Non, les vrais croyants, les pécheurs qui veulent le vrai salut aiment la repentance. Let us not be afraid of leading people to true repentance. People are saying that if you lead people to true repentance, they will flee. No, true believer love true repentance. Il y a des gens dans cette salle. There are people in this hall. Ils entrent ici. They come here. On ne leur donne pas le vrai Jésus. Ils sortent. Ils cherchaient le vrai Jésus. They don't give them the true Jesus. Themselves go out. Même étant dans le monde, ils cherchaient le vrai Jésus. Even being in the world, they were looking for the true Jesus. Si tu ne leur donnes pas le vrai Jésus, ils vont te laisser. If you don't give them the true Jesus, they will leave you and go out to look for him. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Donnons le vrai Jésus. Les gens aiment le vrai Jésus. Let us give the true Jesus. People love the true Jesus. Moi-même là, je suis comme, j'ai cherché le vrai Jésus. Myself, I was looking for the true Jesus. Je me mets à genoux en tremblant, je me lève, mais je cherche le vrai Jésus. I knelt down trembling, but I was looking for the true Jesus. J'étais catholique. I was a Roman Catholic. Un mauvais catholique. A bad Catholic. J'ai retenu 2 commandements sur 10. J'ai retenu seulement 2 commandements sur les 10. I kept only 2 commands upon 10. On appelle ça les 10 commandements de la maison de Dieu. It is called the 10 commandments of the house of God. Les 2 que j'ai retenus, the 2 I kept, c'est tu vas à la confession au moins une fois par an. You go to confession at least one time a year. Et tu vas prendre la communion le jour de Pâques. Les and deux, you go là, and take c'est... communion the day of Easter. Mais je cherchais, je suis dedans, mais je cherchais les vrais enfants de Dieu. I was in this, but I was looking for the true children of God. Un jour, one day, le frère Zach est venu. Brother Zach came. Il a procédé à un test. He did a test. Pour voir si nous faisons des disciples en Côte d'Ivoire. To see if we are making disciples in Côte d'Ivoire. Il a pris un ancien. He took an elder. Il a demandé que ses disciples se tiennent derrière lui. And he asked his disciples to line up behind him. Il m'a appelé. He called me. Il a demandé que mes disciples se tiennent derrière moi. He asked my disciples to line up before me, behind me, sorry. Il a appelé la sœur Colette. He called Sister Colette. Il a demandé que ses disciples s'alignent derrière elle. And asked his disciples to line up behind her. Et il a dit. And he said. Que ceux de vos disciples qui n'ont pas de disciples se retirent. Let those of your disciples who have no disciples to go. Mon rang est resté très long. My line was very long. Le rang de la sœur Colette était très long. The line of Sister Colette was very long. Et l'autre, je crois qu'il est resté avec, je crois, 3 personnes, je ne sais plus. And the other one remained with 3 people. I don't know. Et le frère Zach a dit. And Brother Zach said. Les meuniers ont réussi la formation des disciples. Many have succeeded in making disciples. Mais pour arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? But to reach this step, what happened? Nous avons implanté l'œuvre en 95. We planted the work in 1995. En 97. In 1997. Il y avait une lourdeur dans la croissance. There was a heaviness in the growth. Et je cherchais Dieu. And I was looking for God. I was seeking God. Un jour.
One day, le Saint-Esprit me dit, the Holy Spirit told me, prends le livre, take the book, faire des disciples. Disciple making. Le livre du frère Zach. Prends le livre intitulé Faire des disciples. The book of Brother Zach entitled Disciple Making. Je me suis levé. I rise up. J'ai pris le livre. I took the book. J'ai commencé la lecture. I started the reading. Quand j'ai lu l'introduction. When I read the introduction. Le frère Zach dit. Brother Zach says. Que quand il avait commencé l'œuvre, il avait bâti les disciples sans faire d'eux des faiseurs de disciples. He said when he started his work, he built up disciples without making them disciple makers. Et la conséquence c'est que un jour il a prêché. And the consequence is one day he preached. C'était une croisade. It was a crusade. Je crois de 2 semaines. Of 2 weeks, I believe. Et un jour il a prêché. One day he preached. Environ 80 personnes se sont levées. Around 80 people standing stood up. Il a demandé aux conseillers de venir les chercher. He asked people to come. Les gens ne venaient pas, ils étaient lourds. People were not coming because they were heavy. Il a insisté. He insisted. Une trentaine de personnes. 30 people, around 30 people stood up. S'avançaient sans enthousiasme. Came without joy. Il voulait réprimander. He wanted to rebuke. Dieu lui dit. God told him. Non. No. Je t'avais dit. I told you. De faire des disciples. To make disciples. Qui à leur tour feront des disciples. Who will do on the turn disciples. Et qui à leur tour également feront des disciples et ainsi de suite. Who also will do disciples and so on. Tu ne l'as pas fait. You did not. Tu as rempli l'assemblée des bébés. You have filled the church with babies. Et le frère Zach a constaté que les gens qui étaient immédiatement liés à lui étaient forts. And Brother Zach noticed that people who were directly linked to him were strong. Et que les autres, and the others, qui étaient derrière ceux qui étaient attachés à lui, n'étaient pas forts, ils n'étaient pas bâtis. Who was behind those who were attached to him was not strong because they were not built up. Il dit que c'était une mauvaise soirée pour lui. He said it was a bad night for him. L'OCM, dès que j'ai lu ça, l'intelligence de Dieu est entrée en moi. As soon as I read this, the intelligence of God enters me. J'ai compris. I understood que je devais bâtir des faiseurs de disciples. That I must build up disciples makers. Et je m'étais dit, and I told myself, si on me demandait de proposer un autre titre à ce livre, if I was asked to give another title to this book, j'allais dire faiseurs de disciples. I will say makers of disciple makers. Alléluia. Amen. Et nous avons prié pour ça. And we prayed for it. Et nous avons commencé à travailler dans nos vies et dans la vie des autres. And we started working in our own lives and in the lives of others. Écoutez très bien. Listen carefully. Évitons l'orgueil. Let avoid pride. Travaillons pour obéir à la vision. Let's work to obey the vision. Dans la vision. In the vision, le frère Zach enseigne que quand tu n'es pas dans la vérité, dans la sainteté, in the vision, Brother Zach teaches that if you are not in truth, tout ce que tu fais, c'est pour rien. Everything you do is vain. Le frère Zach enseigne qu'il ne faut pas faire du prix à payer le but de la vie. Brother Zach teaches that you must not do for the price to pay the goal of your life. La méthode de travail ne doit pas devenir le but de ta vie. The method of working should not become the goal of your life. Le travail pour la croissance. The work for growth. Ne doit pas se faire sans repère. Should not be done after a pattern. Il faut travailler pour être semblable à Jésus. Should not be done with after a pattern. You dans must le work caractère. To be like Jesus in your character. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es un évangéliste,
If you are an evangelist, travaille pour être bon, juste, honnête. Work to be kind, righteous and honest. Sinon, otherwise, tu pourras prêcher comme un ange. You could preach like an angel. Alors que tu es un petit Satan. While you are a small Satan. Quant à ton caractère. Regarding your character. Je travaille. I work. Pour garder la vision de la formation des disciples. To keep the vision of the disciple making. Quand on n'est pas disciple. When you are not a disciple. Même si on fait les routines tous les jours, on va aller à l'enfer. Even if you practice the routine every day, you will go to hell. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si on perd l'essentiel, la substance, if we lose the core value, on va se développer dans l'égarement. We'll just grow in loss. Parce que les gens ne sauront plus qu'est-ce qu'on appelle un disciple. Because people will not know anymore what we call a disciple. Et les gens vont prendre des âmes des hommes en captivité pour les exploiter. Et il n'y aura personne pour les sauver. And people will take the souls of people in captivity and they would have no one to save, to rescue them. Il faut faire des disciples pour Jésus. You must make disciples for Jesus. Et il faut protéger cela. And you must protect it. Parce que tu n'es pas le seul prédicateur. Because you are not the only one preacher. Chaque dimanche. Every Sunday. Et dans chaque paroisse, chaque in temple, every church. Les gens prêchent. People are preaching. Et toi aussi tu prêches. And you preach too. Quand tu es un faiseur de disciples. When you are a disciple maker. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 15 verset 30 à 32. Read for us 1 Corinthians. Verse 30 to 32. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Lisons pour nous Galates chapitre 2, verset 1 à 5. Read for us Galatians chapter 2, verse 1 to 5. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Nous résistâmes à leurs exigences. Quand tu protèges la vision. Quand tu protèges une vision. When you are protecting a vision. Non, pas une vision, la vision. The vision, not a vision. Qui est de faire des disciples qui allaient tout feront des disciples, et ainsi de suite. Which is the fact of making disciples, who will make disciples, and so on. Il faut attendre à l'adversité. You must prepare yourself to adversity. Il y a des gens qui vont te critiquer que toi tu pratiques la loi. People will criticize you, saying that you are practicing law. Toi, tu prêches encore la repentance. You are still preaching repentance. Il faut pas céder. Do not cease. Il faut pas céder. Do not give up. Il faut résister. You must resist. Paul a résisté. Paul resisted. Il dit qu'il a prêché la conversion à Dieu. He said that he preached conversion to God. Il a prêché la repentance envers Dieu. He preached repentance toward God. Il a prêché la foi en Jésus-Christ. He preached faith to Jesus Christ. Fais ça. Do so. Dieu va te protéger. God will protect you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand les gens sont
nés d'une façon authentique, when people are born in a genuine way, il faut les délivrer. You must deliver them. Il faut briser les mauvais liens. You must break evil ties. Nous avons appris ça de qui? Du frère Zacharias. From whom did we learn it? From brother Zacharias Tanefomou. Il avait une clinique spirituelle. He had a spiritual clinic. Il prêche. He preached. Et il va dans sa clinique. Les gens viennent poser les problèmes spirituels. Il leur donne des solutions. Il prie pour eux. And he goes in his clinic, people come and ask him some spiritual questions, and he gives them advice and pray for them. Et dans son ministère, and he, in his ministry, vous-même vous êtes témoin, tous les dons se manifestent. You are all witness, all gifts parce are performed. Il a fait. Because he did. Et on a vu. And we saw him. Et on peut imiter. And we can imitate him. Ça, on appelle bâtisseur d'homme. This is what is called a builder of men. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Vous voyez, je suis en train de me battre. You see, I am struggling. Pour que les gens sachent que tout ce que je fais là, j'ai appris du frère Zach. Certains pensent que c'est moi-même, comme si j'étais for intelligent. For people to know that all that I learned it from brother Zach. Some believe j'explique. It's from myself. J'ai dit le renversement des principautés là. Nous avons pris la fiche des idoles. And I explain to people that the overthrow of principalities, we took the tracks on et, idols. Et on renversait les idoles. And we used to overthrow idols. Comme le frère Zach avait enseigné. As brother Zach did. Et on a réalisé que en renversant les idoles, les gros démons s'enfuyaient. And we realized that by overthrowing the idols, big demons fled away. J'ai seulement peur de voler la gloire, sinon j'allais me taire et les gens allaient penser que je suis très fort. I am just scared of stealing the glory, but otherwise people would believe that I am strong. Le brisement des liens, c'est dans le livre Le Chemin de la Vie. Tout le monde the breaking of evil ties is in the book The Way of Life. Everyone can have it. Pratiquez ces choses-là. Practice those things. On vous a déjà montré le chemin. You have already been shown the way. Un frère est perturbé par les démons, délivrez-le. A brother is troubled by demons, deliver him. Si c'est la sorcellerie, brisez les liens. If it is witchcraft, break the ties. Si c'est les blessures émotionnelles, faire la guérison intérieure. If it is emotional wounds, go through healing. Healing. Avant de bâtir un disciple, faut d'abord le soigner, le guérir. Before building up a disciple, you must first of all take care of him and heal him. Les maladies du corps, les maladies de l'âme, les maladies de l'esprit. Prends soin de la personne. Of body, of mind, of souls and spirit. Take care of him. Beaucoup ne savent pas que c'est par là qu'on commence par bâtir un disciple. Many don't know that it's at that step that we start building up a disciple. Le frère Zach a enseigné que les trois premiers mois. Brother Zach told that the three first months sont consacrés au ministère tel que le baptême, I consecrated to the ministry like baptism, la délivrance, deliverance, la guérison physique, physique, la guérison healing, intérieure, inner healing, le baptême dans le Saint-Esprit, the baptism in the Holy on Spirit. On conduit le nouveau croyant à ces expériences-là, you systématiquement. Lead the new believer into those experiences. Quand on dit de garder la vision, c'est ça qu'il faut garder. When you are asked to keep the vision, this is what to be kept. Pas les mots en l'air. Not words in the wind. Pas les restes, comme on dit que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Pas ce qui reste quand tu as tout oublié. Not what remains when you have forgotten everything. L'apôtre Paul lit pour nous Colossiens 1, verset 28 et 29. Apostle Paul said in Colossians 28, verse 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Before showing everyone
becoming perfect in Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Ce à quoi je travaille en combattant avec sa force. La force de qui? Oui, il lit. Qui agit puissamment en moi. En combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. This is what I am occupied on by fighting with the strength of God, which dwells powerfully in me. Pour faire ce travail-là. To do this work. Dieu équipe son peuple. God equipped his people. On bâtit les hommes. People are built it up. Avec la puissance de Dieu qui agit en nous. The power of God working in us. Si un démon te barre la route, tu vas faire comment? If a demon block your way, what will we do? Pour toucher même la personne, le démon est sur ton chemin. Tu even to touch the person, the demon is on your way. Tu le frappes d'abord. You strike him first. Jésus a dit, on ne peut pas entrer dans une maison et la dépouiller si on n'a pas lié l'homme fort. Jesus said that we cannot enter a house and destroy him without linking or tightening the strong man. Pour faire ce travail-là, to do this work, Dieu a mis à notre disposition sa puissance. God has put in our disposal his power. C'est cette puissance-là, this is the power, qu'il faut utiliser, that should be used, pour bâtir les hommes. To build up men. Bâtir n'est pas un petit travail. Building up is not a small work. C'est une guerre. It's a war. C'est pour ça qu'on a dit les combats de la foi. This is why we said the battles of faith. Aujourd'hui, c'est le combat pour garder la vision. Today is about the battle to keep the vision. Prochainement, nous allons voir le combat pour bâtir quelqu'un. J'ai lu par anticipation. Next time we'll see the battle to build up someone. Vous allez voir que pour bâtir un homme, c'est une guerre. You will see that to build someone up is a war. Où tu peux être oppressé même après avoir travaillé avec quelqu'un. Where you can be oppressed after having worked with someone. Où il y a les persécutions, les hommes incrédules, les hommes pervers qui sont fâchés. Where there are persecution of unbelief and bad human beings who are angry. Et tu ne dois pas reculer. You must not backslide. Parce que Jésus ne recule pas. Because Jesus never backslides. Il est écrit qu'il ne se découragera point jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. It is said that he will never be discouraged until he made righteousness triumph. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Tu dois garder la vision de la formation des disciples. You must keep the vision of the making of disciples. Tu écoutes. You listen. Tu mets en pratique. And you practice. Tu écoutes. You listen. Tu mets en pratique. You practice. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Quand tu es en bon état spirituel. When you are in a good state. A spiritual good state. Si tu lis la Bible, when you read the Bible, Dieu va te bénir. God will bless you. Si tu pries, if you pray, Dieu va te bénir. God will bless you. Il y a des œuvres qu'il ne faut pas utiliser pour corrompre Dieu. There are works you must not use to corrupt God. Ne te mets pas à genoux pendant des heures pour que Dieu ait pitié de toi. Do not kneel down for hours for God to pity you. Si tu as péché, repens-toi sans if payer. You have committed a sin, repent. C'est ce que Dieu a révélé à Paul. This is what God revealed va to Paul. Va enseigner aux gens. Go and teach people. Que c'est par la foi au nom de Jésus qu'on obtient le pardon. That it is through the faith in the name of Jesus that forgiveness is God. De telle sorte que si les gens sont en train de faire des pénitences, délivre-les. In a way that if people are doing penitence, deliver them. Nous devons faire des disciples pour Jésus. We must make disciples for Jesus. La vision ne vient pas de l'homme. The vision does not come from human beings. C'est Dieu qui communique la vision. It's God who gave the vision. Même si la personne meurt. Even if the person dies, la vision que la personne a enseignée doit continuer. The vision the person taught must continue. Personne n'a le droit de changer la vision après sa mort. No one has the right to change the vision after his death. C'est l'avantage. It's the advantage. Quand on a eu un homme qui avait une vision claire. Of having a man who had a clear vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you.
Moi, j'ai appris. Me, I learned. À rester concentré. To remain concentrated. Même moi-même, je ne peux pas me distraire. Even myself, I cannot distract myself. Si le découragement vient, je prends la guitare, je joue pour moi-même, je suis restauré. When I am discouraged, I take the guitar and I play for myself and I am up. Donc même moi-même, je ne peux pas me distraire. Even myself, I cannot distract myself. Parce qu'il y a des gens qui se laissent entraîner, je suis découragé, je suis fatigué. Because there are people who let themselves go. I am discouraged. I am tired. Ils abandonnent. They forsake. Ils abandonnent la bataille. The battle. Je ne comprends rien. I do not get anything. J'ai parlé à une amie là. Je suis découragé. Non, elle disait, je suis fatigué. I was talking to a friend. I'm tired. She said. Dis, je suis fort. Say, I am strong. Ça aussi, c'est la vision. Is the vision. Comment se fortifie-t-on en Christ? C'est la vision. How to strengthen yourself in Christ is also the vision. Paul dit, je puis tout. Paul says, I can do everything. Par celui qui me fortifie. By the one who strengthens me. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Essaye de dire, tu verras que ta bouche va devenir lourde. Can que you tu too peux say tout, that? Tout. Dis. Say. Tout le monde peut. Proclamons-le ensemble. Let's je puis tout. I can do everything through the one who strengthened me. Quand vous voyez certains dirigeants forts là, c'est comme ça qu'ils se fortifient. When you see some leaders remaining strong, alléluia, Jésus est Seigneur. This is how they strengthen themselves. Tu deviens fort. But just say hallelujah, Jesus Christ is the Lord, and they become strong. On protège la vision. We protect the vision. Tu dois avoir des disciples. You must have disciples. Et tu dois surveiller. Tu dois tout faire pour que tes disciples aient des disciples. You must watch and check and do everything so that your disciples have disciples. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Nous avons une œuvre qui est mise à part. We have a work set apart. Il y a des gens qui disent, vous suivez l'homme, vous suivez l'homme. There are people who say, you are following human beings. Si tu es mon disciple, if you are si, my si disciple, c'est moi qui t'ai bâti, if I am the one building you up, lève la main. Put up your hand. Et les autres, qui les bâtit alors? And the rest, who is building them up? Si tu n'es pas bâti par le frère Boniface, lève la main. If you are not building up by brother Boniface, put up your hand. Ça veut dire que nous avons une œuvre excellente. It means that we have an excellent work. Parce que chacun a ses brebis au nom because de Jésus et ça marche. Each one has his flock in the name of Jesus and it works. Dieu est témoin que tout le monde n'est pas autour de moi là, pasteur. God is witness that everybody is not around me saying pastor. Donc détruire une telle œuvre, c'est être Satan lui-même. So destroying such a work is to be Satan himself. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Nous avons posé le modèle. We have settled the model. Qui est bâti par une autre personne? Who is built it up by someone else? Que ce n'est pas moi qui t'ai bâti. Lève la main. I am not the one building you up. Frère. Brothers. Que le diable soit jugé. Let the devil be judged. C'est ça qu'on appelle, on a réussi la formation des disciples. This is what is called, we have succeeded in the disciple making. Et tu dois veiller. And you must watch out. Pour que à ton niveau. So that at your level. Cela soit protégé. Cela soit perpétué. And go and continue. Et Dieu sera avec chacun. And God will be with each of us. Il y a des bénédictions qui dépendent de la fidélité à la vision. There are blessings which depends on the faithfulness to the vision. S'il y a des petits problèmes dans ta vie. If there are small problems in your life. Paul dit des légères afflictions, des petits problèmes, des grossiers. Paul says light afflictions. C'est petit.
that are small. Faut pas grossir ça. Don't widen je, them. Je suis fatigué. I am tired. Tenons-nous debout. Let's stand up, please. Dis au Seigneur que tu vas veiller sur toi-même Tell et tu vas veiller sur la vision. You will take care of yourself and you will watch out on the vision. Dis Seigneur. Say Lord. Bénis ceux qui n'étaient pas là. Bless those who were absent. Que cette parole atteigne le nord. Let this word reach the north. Le sud. The south. L'est et l'ouest. East and west. En passant par le centre. Passing by center. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.